Les personnes qui présentent une maladie d'Alzheimer peuvent participer à une randonnée. En effet, les capacités physiques et la marche restent longtemps relativement préservées au cours de la maladie d'Alzheimer. Ce qui conditionne la limitation physique sera donc leurs autres problématiques de santé et non pas la maladie d'Alzheimer. De façon très schématique, un patient au stade léger pourra participer à une randonnée seul, bien sûr une randonnée encadrée en groupe. Au stade modéré de la maladie, il pourra participer à une randonnée avec au début un accompagnant qu'il connaît afin de se sentir en confiance. Les patients qui sont à un stade sévère de la maladie et qui présentent des troubles du comportement ne peuvent pas participer à une randonnée. Bien sûr, il faut s'adapter au cas par cas, à chaque patient, en retenant que la principale limitation de participation à une randonnée pour un patient atteint de la maladie d'Alzheimer, c'est en fait la présence de troubles du comportement. Étant donné les bénéfices de l'activité physique sur le plan des capacités fonctionnelles, motrices et cognitive, il est souhaitable que les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer continuent à pratiquer une activité physique, quel que soit le stade de la maladie. Pour les personnes qui sont à un stade avancé de la maladie et qui présentent des troubles du comportement, même si elles ne peuvent pas participer à une randonnée, il est essentiel qu'elles poursuivent à avoir une activité physique régulière. L'objectif est que ces personnes fassent cette activité physique dans un environnement sécurisé et encadré. Il faut commencer la randonnée de façon progressive, avec au début des circuits courts et par la suite des circuits de plus en plus longs. Un échange devra avoir lieu avec la personne malade et avec son aidant avant de commencer la randonnée, afin d'organiser au mieux cette randonnée. Des explications claires devront être données au patient et à son aidant sur le type de parcours et sur sa durée. Et les explications seront répétées au cours de la randonnée. L'objectif étant que les personnes se sentent le plus en confiance et en sécurité possible. Une formation des encadrants sportifs sera indispensable avant la randonnée sur la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Une collation et une hydratation adéquates sont nécessaires au cours de toute randonnée.